Jacques-Henri Lartigue, age 88, photographing Guylaine Tesmart, prima ballerina of the Paris Opera for French Vogue. Lartigue took his first photograph in 1901 at the age of 7. Richard Avedon has called Lartigue the most deceptively simple and penetrating photographer in the history of art. But Lartigue, who is also a painter and a writer, never set out to create art with his photographs. He was the perfect amateur photographer who simply photographed what he loved. The school friends, the first aeroplanes, the house, the elegance of the pre-war years, and the praises of the church. For 80 years, he has filled album after album with his pictures. They're now held at the Museum of the Grand Palais in Paris. They are a diary of a century, a record of a time now gone forever, but preserved through the perception of a man whose sole aim was to capture the most enchanting moments of his life. Je voudrais beaucoup que vous m'expliquiez un petit peu comment vous êtes arrivé à faire des albums. Ah, je ne peux pas l'expliquer. J'étais un petit garçon, très petit, et j'ai fait des photos. Ces photos, je les faisais par passion de conserver les images de la vie qui passe. Donc je me suis dit, il faut que je les mette dans des albums. Alors j'ai fait des tout petits albums, tout petits, petits, petits. Et très très vite, je me suis dit, mais je ne vois rien, c'est trop petit, ça ne m'intéresse pas. Alors, j'ai essayé des grandes pages de papier, tout ça, et j'ai tout de suite décidé cette taille, quand j'avais même pas 10 ans. Et depuis, les albums sont restés exactement de la même taille et de la même forme. Est-ce que c'est aussi un besoin de faire de l'ordre dans le temps qui passe ? C'est pas de l'ordre, c'est de l'attraper. C'est comme une aide-mémoire. Ah, c'est plus qu'une aide-mémoire. C'est comme une espèce de manie d'attraper le temps qui passe. Je ne sais pas. Et est-ce que le sujet dans la photo vient vers vous ou vous allez vers le sujet ? Ah, le sujet vient toujours vers moi. Moi, je ne bouge pas, je suis le spectateur. Et c'est la photo qui vient se faire prendre. Je ne cours pas après une photo, au contraire, elle arrive. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous demandent, qui crient, photographiez-moi par exemple? Ah oui, 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 ils crient tous, mais très très vite. Et alors moi, comme j'ai joué au tennis et que j'ai l'œil très rapide, j'essaye d'obéir, toc, très très vite. Alors tout peut être photographié? Tout ce qui me plaît. Tout ce qui m'enthousiasme ou qui m'enchante ou qui m'émerveille, le reste, je le laisse passer. C'est un acte d'amour. Ah, tout à fait, de passion. Tout est passion.
l'écriture, la peinture et la photo, c'est passionnant, mais chacun prend ce qu'il veut. Une invitation au rêve? Au rêve, à la réalité quand elle est belle, à la joie, à l'amour, à tout. Tout est passionnant, la nature, certains humains, le talent des autres, tout est passionnant. La musique, surtout. Mais cet enthousiasme pour des choses, ce bonheur qui est presque un cliché, on parle du bonheur, on parle de Lartigue. Ah ben c'est quelque chose. Oui. Vous êtes né avec ou c'est quelque chose que vous avez appris? Ah, je crois qu'à mon berceau, il y avait une fée qui m'a donné ça, mais que cette chose qu'elle m'a donnée, je l'ai tout à fait soignée, fait grandir et bien comme un jardinier qui plante bien une fleur, mais alors il la soigne après. Et on la soigne aussi par la souffrance? Par la souffrance, par tous les moyens. Tous les moyens, si on est passionné, ça va. C'est au bois, les femmes jolies à la mode qui allaient tous les matins, à midi, au bois. Alors on se rencontrait, elles montraient leurs nouvelles robes, tous les matins. Ça m'amusait beaucoup. Et alors quand j'avais fini de travailler, je me dépêchais en courant d'aller au bois, tous les matins à midi. J'admire beaucoup les couturiers, ils ont beaucoup de talent, enfin. Et ça m'intéressait beaucoup la mode, les nouveaux chapeaux. Mais enfin, c'était surtout parce qu'elles étaient, elles, jolies et à voir. Vous avez fait comment? Je m'excuse, mesdames, vous permettez que je vous prenne votre... Ah non, pas du tout, alors ça, je m'excusais pas du tout. Non. Elles arrivaient de loin, je me disais, oh, celles-là sont drôles, elles sont bien, et j'étais assis sur une chaise, je me levais, toc. Et mon appareil, à ce moment-là, était très bruyant. Et alors, quand elles étaient seules, en général, elles souriaient. Mais quand il y avait un monsieur avec elles, il était furieux. Mais comme moi, j'étais très jeune, je me disais, bon, ça m'ennuie qu'il soit furieux, mais la photo me reste. C'est la seule chose qui compte. Et alors, vous savez, quand on marchait, il fallait toujours se saluer. Chaque fois qu'on se rencontrait, on se saluait. Alors comme ils allaient à droite, à gauche, ils se saluaient tout le temps. Pensez que c'est en semaine le matin au bois, ça. Tous les matins, elles étaient aussi bien que ça. Elles se baladaient uniquement pour montrer ses robes. Ah oui. Pour se rencontrer, montrer ses robes et ses chapeaux. Mais voyez, là, avec ces chapeaux-là, elle ne pouvait pas monter en voiture ordinaire, il fallait qu'elle vienne dans une voiture. Les voitures étaient très hautes, et c'est des voitures à chevaux. Et elles ont vu de temps en temps les photos après? Il y en a une qui m'a demandé même de la porter chez elle, mais comme j'étais très timide, j'étais affolé, parce qu'elle était très connue, c'était une grande danseuse, Regina Badet. Elle me faisait peur, parce que j'étais tout petit. À 17 ans, on était beaucoup plus petit que maintenant. Je me dis, ça va pas, et j'ai envoyé mon frère lui porter.